Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Electric Surf, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va aller à la rencontre de Kevin. Souvenez-vous, la dernière fois il nous a présenté sa Bluetran Lightning. Il a dernièrement acheté la Nami Viper 2. C'est l'occasion pour moi de sortir avec la Yume M10 parce qu'on va aller faire un peu de off-road. C'est parti! Ok, on est en compagnie de Kevin, comment vas-tu depuis la dernière fois? Parfaitement, et toi? Ça va très bien, merci. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game. Life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win at life, I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean, and I bring it to the mat, like, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short, so I wanna live real, but how's it supposed to feel? And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these dreams I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread, with every word that I've said. Trottinette? Exactement, comme j'avais dit la dernière fois, j'ai changé par une nouvelle trottinette, j'ai toujours la Bluetran, maintenant j'ai la Nami. Ça fait combien de temps que tu as la Nami? Alors je l'ai environ depuis juillet il me semble, ça commence à passer. Depuis juillet déjà? Déjà, ça oui. Ça fait 3 bons mois. Ouais, facilement, ouais. Alors on va se rapprocher un peu de la trottinette, très beau modèle. Avec beaucoup de corrections pour le coup. Qu'est-ce qui t'a motivé à acquérir ce modèle-là et est-ce que tu hésitais avec d'autres modèles de trottinettes? Alors pour le coup, j'hésitais du coup avec la Extreme, la dernière version en Extreme et la Nami. La Extreme, c'est-à-dire la Bronco? La Bronco. Et du coup, j'ai pris le choix de choisir la Nami pour le poids de châssis, son côté confort et aussi dans son côté un peu étanche pour rouler sous l'appui en cas d'averse. Et après, vu que j'ai eu pas mal de roues retour un peu des deux côtés, bon, j'ai décidé de prendre du coup la Nami. Et depuis que tu roules avec, tout va bien, il n'y a pas eu de premier incident particulier? Alors nickel, tout va bien, hormis je pense qu'il y a eu un défaut au moment de la réception. J'ai eu mon contrôleur avant qui est tombé en panne. Donc contrôleur avant. C'est pas un défaut de la Nami ou autre, il y a eu le câble d'alimentation qui s'est coupé durant le transport. Et donc du coup, l'avantage d'un ami, c'est que sur les derniers modèles, il y en a 3 vis et 3 câbles à brancher. Le contrôleur, il est changé en 3 minutes sans aucune compétence. Quelles sont les options supplémentaires comparées à la Bluetran qui t'a encouragé à faire l'achat de ce modèle? Du coup, le châssis, les suspensions. Châssis tubulaire, on peut remarquer. Exactement, il est ultra solide, hein, on peut pas faire mieux. Les suspensions, elles sont incroyables. Le fait d'avoir une garde très haute aussi,
Et du fait de le passer aussi en 11 pouces, quoi, parce que la Blue Trail elle est en 10 pouces, donc le confort il est indescriptible. Il est... Je pense que sur toutes les trottinettes que j'ai pu tester, c'est la meilleure niveau confort. Ouais, pour le moment là c'est les 11 pouces avec des pneus CST. C'est, j'ai gardé les CST, j'aurais pu passer en BMT, mais pour la largeur et pour le côté off-road, j'ai préféré garder du coup les CST. Mais bon, je pense que je me ferai une comparaison, je prendrai peut-être les PMT la prochaine fois, quand ils seront bien usés. Et bon, pour le côté un peu aussi tout terrain et côté résistance, les SST sont beaucoup plus résistants et moins sensibles à la crevaison. T'as fait des réglages de l'amortisseur ou pas? Alors l'amortisseur... Parce que je vois, il y a une rondelle. Exactement. Du coup, la partie arrière, elle est d'origine. On peut la régler avec le rebond directement la partie haut ou la partie serrage du coup avec la clé parce qu'ils nous fournissent une clé. Et on peut en bas, c'est avec la clé. Ouais, on peut la serrer au niveau des... Il y a des rainures et du coup, on peut régler le rebond. Donc, on peut régler le rebond à partir de là. Donc, moi, derrière, il est très, très bien pour le coup. Et je l'ai réglé sur le rebond où il y a moins de compression. Donc du coup, il a trois crans. Moins de compression, c'est-à-dire le plus dur. C'est ça, le plus dur. Du coup, avec trois crans en moins, donc ça fait les trois quarts. Donc je dirais. À l'avant aussi. Et à l'avant, du coup, c'est quasiment à fond, pareil. Parce qu'à l'avant, c'est là où il y a l'effet beaucoup de guidonnage. Du coup, quand on freine, on a l'effet un peu de faire du rebond. Et donc du coup, il y a beaucoup de personnes qui avaient les anciennes amies. Que c'était pas du tout serré et on peut voir là il y a des filetages et donc du coup ils nous fournissent une clé ergo spécifique pour l'amortisseur et donc la clé est fournie pour régler l'amortisseur. Exactement, du coup il y a une clé fournie pour régler du coup le serrage et du coup ça permet de régler le rebond. Moi d'origine il est sur 4 ou 5 filetages donc c'est parfait et j'ai juste à régler le rebond avec la molette directement de l'amortisseur. Ok, donc là tu as trouvé ton niveau de suspension désiré. Exact. Ou tu cherches encore? Non, c'est parfait du coup pour le côté route, donc ça fait qu'il y a un effet guidonnage et un effet de faire un peu d'être sur un nuage. Et sur le chemin off-road, on met sur le fast au plus vite et comme ça on a l'impression d'être sur un nuage et on sent plus du tout les défauts de la route. Superbe. Toi, c'est quel modèle? Et moi, pour le coup, de batterie, 72 volts. 72 volts, 32 ampères. 32 ampères. Et selon les modèles, les freins sont différents? Ils sont différents. Donc, sur la version 28, c'est du 2 pistons. Donc, moi, j'ai pris la version 2 pistons. Parce que du coup, il y a un frein électrique qui est de bas sur la trottinette qu'on ne peut pas enlever. Et du coup, avec les freins Logan 4 pistons, je l'ai trouvé trop mordant et empilé très, très vite. Du coup, j'ai décidé de partir en dessous. Du coup, sur un entrée de gamme. Du coup, on est en version 2 pistons. 2 pistons, c'est-à-dire 2 plaquettes de frein? Une. Une seule plaquette de frein, ouais, mais avec 2 appuis. C'est ça, exactement. Du coup, c'est en double piston. Et prochainement, du coup, il va y avoir le passage en hop. Et il faut compter entre 8 et 10 semaines. Ah, tu prévois de faire un upgrade de frein, malgré que ça freine déjà. Exactement, bien. les hops sont du coup beaucoup plus progressifs. Et du coup, en durée de traversion. Et par contre, j'ai pris les derniers, les hops. Tech V4, la durite arrière a fait sur les hops c'est 1600, sur la Nami il faut 2150 environ, donc du coup j'ai demandé à la personne de me faire usiner directement avec la durite de bonne longueur, avec l'avant de bonne longueur, comme ça j'aurais rien besoin de faire et de faire le changement moi-même, parce que l'avantage on peut changer les freins hydrauliques sur sa Nami très très facilement parce que tous les câbles passent à l'extérieur et pas dans le deck. Donc du coup, ça se change en 20 minutes. C'est des disques en 180 ou 160? Alors, c'est des disques en 160, c'est des Shimano RT86. Donc où le disque à l'avant, il est à l'arrière. Mais par contre, il faut faire des réglages du coup sur la Nami. Il faut du coup limer le support d'étrier, ce que j'ai fait, et limer un peu l'étrier. Ou sinon, ça frotte au niveau des rivets. Parce que limer ils sont beaucoup... à quel niveau?
au niveau de, alors on voit pas, mais c'est au niveau de l'autre côté, parce que là on peut voir le rivet, si on tourne, il touche le support de, d'étrier. D'accord, de l'autre côté. Mais tu limes comment, avec une limeuse, une rimeuse, Oui, une limeuse, on l'a à la main. Manuel. Manuel, c'est beaucoup mieux. D'accord. Au niveau du milieu. Ça c'est le support d'étrier d'origine ou c'est toi qui l'as poli? Non, c'est d'origine. Ah, c'est d'origine, c'est joli. Hein. Ouais, c'est d'origine. Ok. On va regarder les leviers de frein. C'est ça que tu as changé? Donc ça c'est de base, je l'ai laissé. Du coup j'ai pris le kit de piston, donc j'ai tout câblé. J'ai modifié aussi le câblage de la NAMI correctement parce que c'est très brouillon et on a l'impression que c'est très grossier. Donc ah, t'as rajouté des petites gaines. Des petites gaines, j'ai refait ça proprement. Parce que d'origine c'est pas fou. Ok. Après pareil, la potence, c'était une potence longue. Du coup la potence longue, j'ai mis une potence courte pour le coup. J'ai un peu aussi coupé la colonne parce que moi je suis pas très grand. Et donc du coup j'ai coupé la colonne pour l'adapter à ma taille. Ouais, c'est vrai que d'origine la colonne est beaucoup plus haute. Est plus haute, ouais. Et du coup pour l'écran au niveau Garmin, parce qu'il se raise facilement, j'ai mis un écran protecteur de Garmin 530 qui s'adapte parfaitement du coup à l'écran de la NAMI. Tu parles de quoi? De ça? D'un film protecteur? C'est ah ça, ouais, bah, d'accord. On voit, bien les... Pour le coup, il y en a deux. Normalement, c'est des films plastiques. Et le film plastique, quand il fait soleil, on voit que dalle. Mais tu pouvais pas trouver un qui s'adapte à l'écran entier? Non, c'est très spécifique. Et on peut le faire avec un protège en plastique, mais si on découvre faire du verre trempé, c'est plus lisible. Ok. Et pour le coup, il y a juste l'écran à protéger, donc ça ira très bien. Je l'ai acheté neuf, donc c'est le deck carbone sur mesure fait créé par Longhand. L'aide inclus ou c'est toi qui as rajouté? Tout est inclus, donc du coup le pack il vaut assez cher pour le coup. C'est un deck plexiglas de quelle épaisseur? Donc là c'est 6 mm. 6 mm plus le deck en carbone intégré. C'est ça, et du coup c'est en deux parties. Le deck en carbone il fait 4 mm et j'ai rajouté de la peinture époxy transparent. Ah, ça c'est toi qui as rajouté? Donc non, c'est pareil, quand on va sur son site, on peut faire tout ce qu'on veut à la demande. Ah d'accord, tu choisis les options que tu veux. Exactement. Intégrer sur ton deck. Exactement, du coup pareil, l'écriture c'est moi-même qui l'ai choisi. Et après derrière, il donne du coup une prévisualisation. Et après derrière, il nous dit si ça nous plaît ou pas. Et après, ouais, il lance la production, il faut compter 6 semaines. De là où nous sommes, je remarque que les LED du deck sont mieux apparents que les LED de la NAMI d'origine. Tu vois, il faut se baisser davantage pour avoir la vue sur les decks. Exactement. Alors peut-être que pour les voitures, sur la circulation, quand on est éloigné, il y a une bonne visibilité. Mais quand on se rapproche, je pense que ça c'est limite un peu. Du coup, les clignots, il sait que du coup, pareil, on les voit pas très bien. Ça sert juste pour déco. Hein. Et du coup, Michael Chat, il sait que les clignots ne servent à rien. Et du coup, il a un prototype pour les faire installer à l'extérieur. Et du coup, il y aurait des clignots à l'avant et à l'extérieur. Ouais, parce que quand j'analysais ce modèle-là, je me suis dit, ah tiens, pourquoi pas faire des, ben, comme Dualtron ou Yume, celle que j'ai, des espèces de caches en plexi, plutôt vers l'extérieur, sur tout le contour tubulaire. Ouais. Et pour je pense que ça serait mieux, hein, tu vois, une LED qui fait tout le contour tubulaire, ça serait... Ouais. Et pour le coup, pareil, ça serait bien. Du coup là on peut voir, pareil, ça a été modifié sur les dernières versions, là le clignot, parce qu'avant on voyait, il n'y avait pas du coup cette partie orange. Du coup en customisation j'ai le cale-pied de Lou Hank aussi, pareil, qu'on peut voir là. Il fait pas LED celui-là? Alors il fait LED, il y a le branchement là, mais du coup vu que j'ai changé de batterie externe, j'ai pas tout recablé. Okay. Mais pareil, du coup la combinaison elle s'adapte parfaitement avec le deck. Et là ça permet du coup de cale-pied, c'est un meilleur confort et l'avantage... C'est qu'on peut mettre un support de clignot parce qu'on utilise l'axe du coup de la suspension là. On peut voir comment réagissent les clignotants droite gauche. Donc là tu as le commodo, voilà, c'est sur le côté droit. Ouais, moi je l'ai pas bougé, les gens le mettent à gauche. Voyons voir les options des clignotants. Ok, donc en fait c'est du coup on les voit bien la nuit, c'est l'avantage, mais de jour c'est quasiment invisible. Donc là on va dire que tu tournes à droite, c'est ça. Et si tu veux tourner à gauche? Et si on veut tourner à gauche, pareil.
On le voit bien de nuit, c'est l'avantage. Ouais, faut vraiment se coucher au sol, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres options que tu as installées? Oui, du coup, j'ai mis les derniers ports de charge de la NAMI 40A. Qu'est-ce qu'ils ont, ces ports de charge? Donc, du coup, c'est au niveau du clapet. Donc là, on peut voir qu'ils sont automatiques. Ah, ça se referme. Ça se referme automatiquement. Tout et ça se referme, ok, c'est pas mal. C'est ça, et après derrière, du coup, il m'a fourni un câble. Du coup, derrière, c'est la protection, du coup, qui est beaucoup mieux gérée. Attends, je suis au niveau du porte de charge. De quoi ça, là? Exactement, quand il y a de la pluie. Parce que dans les premières versions, c'était un peu à nu. D'accord. Ça, c'est le klaxon ou l'alarme? Il y a quoi comme option? C'est là ça, c'est juste le klaxon avec les contrôleurs à l'extérieur. Les contrôleurs sont à l'extérieur? Les contrôleurs, du coup, ils sont à l'extérieur. Ils sont juste ici. Dans chaque coin, avec le gros câble ici, c'est le câble rapide du moteur avant. Voyons le câble. Il est énorme et c'est une grosse prise étanche. Du coup, on peut faire la maintenance et changer de roue en 3 clics. Donc du coup, on a juste à déclipser. C'est une grosse prise, Juliette. Est-ce que tu as déjà roulé sur sol humide ou pendant qu'il pleut? Parce que je vois le garde-boue. Ok, il y a le logo, c'est bien, mais tu vois, il couvre pas la totalité, surtout derrière, regarde, viens voir. Alors derrière, quand il pleut, du coup, il y a un lèche-roue qui est intégré, mais moi, je l'ai enlevé. D'accord, pour l'esthétique ou... Pour l'esthétique, et quand je sais qu'il pleut, du coup, je mets le lèche-roue et ça date aussi à ce niveau-là. C'est fourni avec, déjà monté, inclus à l'achat. Il faut juste le monter, donc du coup, il y a juste ces deux vis et on le met directement. Ça, c'est déjà monté? Exactement. Il y a juste à visser exactement ça et ça. Et ça, exactement. Okay. Et du coup, de changer aussi, moi j'ai une batterie modifiée, 72 volts, 45 ampères. De quelle cellule? 21700. Quelle marque? LG. LG. 45 ampères? 45 ampères. Une sacrée autonomie, je peux atteindre quasiment avec plus de 200 km. Au niveau de la colonne de direction, tu tournes bien à droite à gauche, il n'y a pas de sorte de cran? Non, du ça coup, moi j'ai les dernières versions de NAMI avec toutes les modifications, donc j'ai eu de la chance. Et moi, la colonne de direction est très souple, même sans l'amortisseur de direction. Donc du coup, il n'y a aucun cran, tout tourne correctement. Du phare avant, il est suffisant ou tu dois rajouter des LED complémentaires pour rouler la nuit? Alors il est suffisant, il fait 2000 lumens, il consomme pas tant que ça. De nuit c'est un peu mitigé, j'attends ma nouvelle batterie qui sera en 12 volts plus de 30 ampères. Ah, tu mets ta batterie externe dans cette sacoche là? Non, ça sera une autre, ça sera un caisson en alu pour éviter que la sacoche ça bouge. Ah oui, ok. Et donc du coup c'est pour ça que j'attends du coup ma batterie pour brancher du coup le calfier. Parce que vu comme ça, tu vois, ça fait massif. Oui. Ça donne l'impression que tu vas éclairer trois quartiers. Ça éclaire bien. Mais si on va en appoint ça éclaire bien un peu de loin, mais devant on voit pas trop. Donc du coup, en plus, je vais avoir un éclairage 6000 lumens directement importé de TDD aux Philippines. D'accord. Je vois que la gâchette n'est pas d'origine. Alors c'est une gâchette à index, beaucoup mieux que la gâchette à pouce. Vas-y, éteins ta trotte et montre-nous comment elle bouge, comment elle... Ah d'accord, comme ça, vers le bas. Exact, directement vers le bas, et on peut avoir un autre appui du coup pour freiner, du coup c'est beaucoup plus pratique. Et sur les longs rides, du coup ça évite d'avoir mal au pouce, mal au doigt ou autre, donc du coup c'est très ergonomique. La gâchette est très proche du guidon, hein. C'est une gâchette index, très proche du guidon, pas comme d'autres modèles tels que Dualtron. Non du tout, et on peut la régler comme on veut, donc il y en a qui aiment bien la mettre plus profond. Mais elle s'appelle comment cette gâchette? Donc nous on dit que c'est la gâchette polonaise, parce qu'on l'achète sur un site polonais qui s'appelle Carte, je sais plus trop quoi. Et beaucoup l'a trouvée excellente, et du coup j'ai testé, c'est vrai qu'elle est beaucoup mieux. J'ai testé la 300X que j'avais du coup sur la NAMI. Elle est bien, mais j'ai préféré celle-là. Ou sinon, on a la gâchette quad. Alors là, s'il y a une zone morte qui est horrible, hein, pour le coup. Et si on veut changer la gâchette, on peut voir que là, c'est soudé. Et du coup, il faut inverser le positif et le négatif pour la faire fonctionner. Sinon, on ne peut pas accélérer. Ok. Dessus, sur la NAMI aussi, j'ai refait tous les filetages du deck.
Là, t'es en M5. Du coup, je suis en M5 et du coup, les filetages de base, ils sont pas très de bonne qualité. Du coup, j'ai tout refait, j'ai mis des hélicos et je suis en vis. Du coup, M5x20 parce que j'ai pas mal d'épaisseur dans M5 x 20 en hélicoil. Ouais, parce que j'ai beaucoup de surface. Du coup, on peut voir que ça va très très loin mon deck. Parce que de base, je crois que c'est du M5x12. Du coup, j'ai mis des hélicos dans. J'ai refait tous les filetages. Ah, c'est très court, hein, x12. Ouais, donc du coup, là, vu que j'ai pas mal d'épaisseur, et là, on peut voir qu'il y a un énorme joint qui dépasse. Et ça, c'est l'énorme joint, du coup, c'est du bac de la batterie qui couvre, du coup, tout le bac. Très bien, très bien. Donc, tu es content de la Nami jusqu'à présent ? Elle est excellente sur tous les points. Je la trouve très maniable. Il faut trouver sa bonne position de conduite. C'est pas facile. C'est pas facile parce qu'elle est assez large et il faut régler un peu sur tous les terrains la Nami. Une fois qu'on a trouvé le bon réglage, elle est super. Et puis aussi, il faut faire attention sur la Nami parce qu'au niveau de la gâchette, elle peut donner des à-coups quand on change de mode. Du coup, sur les derniers contrôleurs, il n'y a plus trop cet effet apparemment. Et depuis que j'ai les nouveaux contrôleurs, j'ai pas eu du tout ce phénomène, même en changeant de mode dans la conduite. Très donc bien. Je pense que ça a été changé sur les dernières versions, je pense la 40 A. Est-ce que tu penses à d'autres trottinettes maintenant que tu as bien roulé avec la Nami? Avec mon meilleur ami, on va prendre pour le plaisir une Weped chacun. Et lui va prendre Quel modèle? Il va prendre la Fold 2 et perso, je vais prendre la FS. Il va prendre la Fold 2 et toi, tu vas prendre la FS. Exactement. Tout en gardant la Nami. Exactement. Petit coquin. La FS 72 volts, 50 ampères. 72 volts, 50 ampères. C'est la grosse? C'est la grosse, ah oui, à 8000 euros. Ok, ben à l'occasion, c'est quand? 2023? Fin d'année? C'est ça, fin d'année, début d'année. Fin d'année, début parce d'année. Parce que les délais sont assez longs. Oui, je comprends. Très bien. Eh bien, merci pour cette nouvelle présentation de la Nami. On aura l'occasion de rouler ensemble, découvrir un peu plus en détail. Exactement. La Nami. Et on se dit à très bientôt. Si vous avez des questions, est-ce que tu restes joignable? Est-ce que oui, on peut t'interroger? Je réponds aux commentaires comme sur la dernière vidéo. Et s'il y a une question, ils peuvent venir dans le groupe Nami France ou le groupe Nami officiel. Il est accessible à tout le monde. Je crois qu'il y a un Nami Burn E Europe. Ou un truc du genre. Exactement, officiel, il y a plus de 15 500 membres. Il y a même Michael Shah, créateur du modèle. C'est sa page. Et il répond à toutes les questions. Et du coup, tout le monde peut voir si le modèle est fiable ou non. Et ok, bah, salutations à Michael Shah. Exactement. C'est très rare d'avoir un créateur de la Nami très disponible, qui répond aussi en MP et qui aide aussi le client à résoudre les pannes. Ouais, il envoie des petits colis pour régler les... Et du coup, moi, j'ai commandé directement par lui, directement, et je l'ai reçu par FedEx en moins d'une semaine. Très bien. Merci, Kevin. Merci. I'm living up every breath. I'd rather lead than be led. I'll fill the seeds as I spread.